cette grande journée de fête soit terminée avant de nous tomber sur le caillou. Alors les amis, moi je fais ma part de boulot. À présent, c'est à vous de jouer et de me dire quelle était votre chanson préférée. Alors, quelle était la première chanson que nous avons chantée? Elle s'appelait comment? Ah, c'est difficile, hein. Redis-moi ça, elle s'appelait comment? Oui. Très bien. Comment s'appelait la deuxième? Voulez-vous danser? Très bien. Et la troisième que nous venons de faire à l'instant? Mais vous êtes extraordinaire, Antoine. Vous avez des super mémoires. Vous mangez plein de poissons ou vous savez lire au tableau? Vous lisez au tableau, vous m'assurez comme moi. Alors, je vais à présent vous demander d'applaudir pour votre chanson préférée. Et l'applaudimètre nous indiquera le nombre de voix. Attention, je vous rappelle que pour participer au grand concours de chant, et ne t'en va pas, c'est maintenant qu'il faut applaudir. Reviens. Allez, reviens. Reviens. Reviens ici. Il faut applaudir maintenant. Recombinez-lui. Alors attention. Je vous rappelle que pour participer, nous devons atteindre les 100 points qui sont là. Pour ceux qui ont préservé, je vous demande d'attendre un applaudi pour attendre. Allez, on y va. Et on compte. Gagnez pas l'entour. Allez, on compte avec moi. Si vous n'avez pas eu le à atteint le score de 30 points que je m'en vais inscrire ici. Voilà. Pour ceux qui ont préféré, voulez-vous danser? Je vous demande vos applaudissements. Maintenant, on y va! Voulez-vous danser à obtenir le score de... Ceux qui, par contre, ont préféré la danse de la nuit, je vous demande vos applaudissements. Maintenant, on y va! Allez! Les amis, de la danse de la cuisine. Alors, aujourd'hui, dimanche, le grand jury des clubbeurs de Antoine a élu meilleure chanson, la danse de la pluie, qui obtient le très beau score de 90 points. Vous pouvez vous applaudir, bravo! Bon, mais, ils ont raison, les amis. Ça va pas le faire pour demain. En fait, on a obtenu de l'emploi. Et rappelez-vous, pour participer au concours, il fallait atteindre les 100 points. C'est foutu. Je ne pourrai pas demain participer au grand concours de chant débutant. Tant pis. Une autre fois. Les doigts dans le nez de lutin. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Quoi? Hein? Bah dans ce club, on l'a déjà fait. La petite souris, je ne la connais pas. Vous ne connaissez pas une chanson? Une chanson avec des lutins qui dansent, ça ne vous dit rien? Ça commence par la danse et ça finit par des lutins, ce serait quoi? La danse des lutins, mais bien sûr! Voilà une idée qu'elle évoque!
Alors est-ce que vous croyez qu'avec la danse et du butin, en la chantant tous ensemble, on pourrait atteindre les 100 points les doigts dans les butins? Vous croyez ça? Vous êtes prêts à m'aider? Les papas, les mamans aussi? Et les organisateurs aussi? Alors, musique! La danse du pain, la danse pas si, mais debout. Alors commandez-nous, allez, commandez-nous. Allez, tout le monde. Et on garde la main. Tout le monde. Et c'est parti. On le prend là. Et on le prend là. On le prend là. On le prend là. Tout le monde. On le prend tout le monde. Thank you.
papa. Comme la part, ils sont la part, vous pouvez vous applaudir. Wow. Merci les amis, grâce à vous, demain, je vais pouvoir me présenter au grand concours de chant des lutins avec la danse des lutins. Et je vous promets que si, comme je l'espère, je remporte l'étoile d'or, ce sera grâce à vous. Alors, je voudrais aussi vous demander une petite chose. Les organisateurs qui sont venus en traqueur de chercher dans le bois des lutins, ils ont fait ça parce